Bonjour, je m'appelle Pauline, je suis la présidente du Challenge Agricom pour l'édition de Reims qui aura lieu donc du 29 mars au 1er avril 2013. Le Challenge Agricom, c'est un événement sportif qui a pour but de fédérer les écoles du groupe Agricom en fait autour du sport et de l'ambiance. On accueillera cette année les écoles de Rouen, Nancy, Kedge Bordeaux, Kedge Marseille et donc Reims. On attend 2000 personnes, dont 800 sportifs. C'est un événement où il y a 6 sports. Basket, rugby, en tennis, volley, foot. Les écoles s'affrontent au niveau sportif, mais aussi en dehors des terrains, avec un trophée de l'ambiance. Trophée de l'ambiance, c'est quoi les critères? C'est des champs, pour des champs il faut des grandes gueules. C'est une mascotte, une sportive solidaire, des supporters acharnés, et cette année il va y en avoir. On essaie de faire en sorte que ce soit le meilleur des challenges, donc on prépare des animations, on a un énorme terrain qui s'appelle le village école où on fait des animations par école. On a un show pom-pom, un chant un talent par école qui vient se représenter sur scène, donc c'est vraiment quelque chose de très festif. On est content de voir l'engouement que ce projet suscite et on espère voir autant de Rémois à l'amphi qu'on a eu la dernière fois que sur les bords des terrains à chanter aussi fort parce que ça va vraiment être un événement très très sympa.